Bonjour à tous, aujourd'hui présentation d'un travail réalisé sur une Corvette. Donc c'est une version dont la couleur est assez rare puisque 2700 exemplaires ont été produits dans le monde. C'est une information que le propriétaire m'a donnée. En termes de travail, j'ai reproduit le drapeau sur la partie vitre arrière, custode, donc qui a été découpé dans du dépoli, donc qui a un rendu un peu mat de l'extérieur. Et de l'intérieur, je ne sais pas si on voit la vitre à l'opposé, vous voyez que ça laisse passer la lumière. Et l'ensemble reste dans des tons assez neutres, assez sobres, c'est ce que voulait également le propriétaire. Dans le même esprit, j'ai reproduit cet élément déco qui existe dans le catalogue, entre guillemets Corvette. Et là, on les a reproduits parce qu'on avait besoin d'une couleur spécifique. Un noir métallisé et les paillettes dedans qui permettent d'être assorties à la peinture noire d'origine du véhicule. Pour continuer, j'ai prolongé le noir dans la largeur de l'ouïe sur le capot en y apportant un effet noir mat sur le noir brillant avec la tête de mort. Pareil à l'effigie de Corvette. Et enfin, le covering du pavillon. Pareil, noir métallisé. Pas si on voit bien. Donc voilà, un travail sobre, efficace, qui donne un peu de chien, je dirais, à la voiture. Puisque ces petites lignes donnent une petite dynamique fuyante comme ça. Et pareil, sur le passage de roue, un peu d'agressivité. Assez fier du coup. Voilà. Sur ce, bonne fin de journée à tous. À une prochaine vidéo. Ciao.